Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du titre numéro 9 qui s'appelle Imprévu. Le titre imprévu, à la base, il s'appelait plus. La preuve, hein, j'ai les premières versions du texte. Et j'avais ce refrain qui faisait plus, plus, plus. Je n'étais pas très convaincue. Et je me rappelle, j'étais encore prof de chant quand on l'a écrit. Et j'avais fait le refrain à mes élèves qui m'ont dit, c'est génial, faut que tu gardes ça, ça sonne et tout. Donc j'avais écrit quelques accords. Et avec... Là, j'ai des trucs, là, mi, sol, dièse mineur. La sus 4, je sais même pas si j'ai gardé ça pour finir. Et donc avec Clément, on a repris cette mélodie que j'avais un peu dans la tête, ce refrain avec les plus, les rimes en U. Et avec la guitare, juste en guitare-voix, on a fait un refrain plutôt jazzy au départ. Moi qui n'y croyais plus, il a réapparu. La vie m'a plus, m'a prise au dépourvu. Et j'ai imaginé avec des rimes en U, donc, l'histoire d'une personne, comme un film un peu avec une image de rue et de ville et de brume. Et comme si on voyait quelqu'un, un visage, on a l'impression qu'on l'a déjà vu, mais en fait, on ne sait pas trop. Et en fait, il s'en va et hop, il ressurgit dans la rue. Et j'ai développé ça. Et à la fin du travail d'écriture, on avait déjà fait la musique pas mal aussi, je me rappelle, avec Pierre-Jean aussi qui avait travaillé dessus. Je trouvais que ça manquait de fin. Et donc, j'ai raconté cette histoire de baiser imprévu pour clôturer cette rencontre. Imprévu, c'est le cas de le dire. Et donc, la chanson s'appelle Imprévu. Voilà, voilà l'histoire de cette chanson. Donc, vous voyez, c'était bien plus à la base. Là, j'avais marqué sur celui-là, c'est marrant, j'avais marqué un peu sur la musique de Comme. C'est le morceau de Jane. Bon, du coup, ça ne ressemble pas du tout à Comme. Je ne sais pas si vous voyez ce morceau. Parce que j'aime bien m'inspirer un peu de style et de morceaux que j'aime bien pour l'énergie. Et c'est vrai que celui-là, pendant les interviews radio, les journalistes m'en ont beaucoup parlé. Apparemment, c'est celui qui est le plus pop et le plus facile à retenir. C'est drôle, je l'ai mis très bas dans l'album, c'est le numéro 9. Et c'est vrai que en fait, il marche bien, les gens l'aiment bien. Sur scène, je m'amuse bien avec aussi d'ailleurs parce que j'enregistre les gens avec le looper. Ils font plus. Donc si vous venez de nous voir en live, vous aurez peut-être la chance d'être enregistré dans mon looper. Voilà, donc essayez de venir. J'ai toutes les dates de concert sur mon site internet. Je vous embrasse fort. Allez écouter le morceau. Et puis surtout, profitez bien de la vie. Bye bye.